insight there, and it's always a changing matter. Oops, there we go. So Isabelle, the floor is yours. I apologize to everyone for being in my car right now. I'll be home in about 10 minutes. Isabelle, the floor is yours. Perfect. All right. So thank you for all for attending this webinar. Merci de participer à ce webinar dédié, en effet, comme Emma vient de l'annoncer, au visa, une stratégie, comment réagir face à des changements et comment aussi pérenniser une situation de visa. Donc, nous avons, quelques participants déjà, dont Yves, voilà, qui représente la City National Bank. Olga également, je ne sais pas. I don't know, Olga, can you hear us? Bon, alors. Je crois qu'elle a toujours le. I think she still has the same problem where she can hear, but she cannot. All right, okay, perfect. Donc, on va continuer. Je vais d'abord, I will do a general global overview on the different visa solutions. Donc, on peut passer au premier slide, sur une vue généralisée, une vue d'ensemble des différentes catégories de visas disponibles. Donc, Yves, avant que je ne démarre, est-ce que tu voulais te présenter rapidement? Alors, je sais que les autres participants écoutent, mais ne peuvent pas forcément participer. Non. Oui, parfait. Merci, Isabelle. Yves Lévy, juste pour parler un petit peu de mon background, je réside et travaille aux États-Unis depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance de venir à travers un visa L1, L2 avec tous et ma famille. Isabelle, je pense que tu reviendras certainement là-dessus. Absolument, absolument. Les visas ont évolué depuis. Je représente City National Bank, qui est une banque basée à Los Angeles. Moi, je travaille sur le bureau de San Francisco, où mon rôle, en fait, en tant que VP Relationship Manager, est d'offrir nos services et d'accompagner les clients francophones au sens large qui souhaitent s'établir aux États-Unis, que ce soit aussi bien pour leurs besoins à titre personnel que pour les besoins de l'entreprise. Donc, en règle générale, on travaille effectivement au moment où ces personnes arrivent aux États-Unis et pour des besoins de visa, ont besoin tout simplement d'un compte bancaire. Voilà. Je serais ravi de pouvoir répondre à toutes les questions qu'il pourrait y avoir ultérieurement. Merci Yves pour cette présentation. Olga, can you hear us? Non, peut-être pas. Bon, eh bien, nous allons démarrer avec cette vue d'ensemble. Donc, on va revenir sur le slide précédent. Voilà, donc en fait, ce qui est très important quand on arrive aux États-Unis et aussi afin de pérenniser sa situation, c'est d'avoir en effet cette vue d'ensemble, de connaître, d'anticiper aussi toute situation à venir et de connaître pour ce faire les options en termes de visa, que ce soit du visa court terme, moyen terme et long terme. Nous verrons par la suite les solutions de type visa immigrant. Donc, à court terme, je vais aller rapidement puisque vous avez peut-être pour la plupart passé ce stade. En effet, il y a l'ESTA, le visa waiver, donc en tant que ressortissant français, qui permet de venir jusqu'à 90 jours sans avoir besoin de visa. Donc, un visa waiver, ce n'est pas un visa. C'est justement la possibilité de venir sans visa. Le visa, la solution de visa B1, B2, quand il s'agit de venir compléter, accomplir des business missions aux États-Unis. Donc, ce sont des missions temporaires dans le cadre de son travail à l'étranger. Donc, il ne s'agit pas de venir travailler aux États-Unis.
Personne n'obtiendra de numéro de sécurité sociale. Il ne s'agit donc pas d'une possibilité de s'établir, mais vraiment de venir assurer quelques missions temporaires business pour, par exemple, ouvrir la filiale américaine, ouvrir, incorporer la société, ouvrir le compte en banque, voilà, avec Yves, et, par exemple, et également chercher un bail de bureau. Il y a également le visa J1, intern, trainee. Donc ça, ce sera plus pour des employés. Je reviendrai rapidement dessus. Ce sont des solutions temporaires qui vont permettre des fois de rebondir sur un vrai, véritable visa de travail. Donc, nous n'avons pas non plus un catalogue extensif de visas à disposition. Nous avons le visa E. Donc, il y a plusieurs sous-catégories du visa E. Le visa E2, investisseur. Donc, on peut l'obtenir soit parce qu'on est investisseur dans une société américaine, on vient créer une start-up, ou alors on vient ouvrir la filiale d'une maison mère française. Et il faut savoir que pour qualifier pour ce visa E, eh bien, il faut que le bénéficiaire du visa ait la même nationalité que l'actionnaire majoritaire de la société américaine. Donc, si l'actionnaire majoritaire de la société américaine, eh bien, la société américaine est détenue à 50% par une société française ou des ressortissants français qui ne sont pas US citizens et qui n'ont pas de green card, eh bien, le bénéficiaire, du moment qu'il est également français, pourra bénéficier de ce visa E. Donc, il y a le E2 Investor, soit parce que l'on est soi-même investisseur ou parce que l'on est employé par une société qui répond aux critères de la nationalité, ou le visa E1 dans le cadre d'échanges commerciaux entre la France et les États-Unis. Donc là, ce n'est pas un investissement substantiel que l'on va demander, mais ce sera plutôt la valeur des échanges commerciaux. Donc le nombre d'échanges, il faut que ce soit assez fréquent, un échange mensuel. Et également, on va se référer à la valeur marchande des échanges commerciaux. Il y a également le visa L, donc Yves, c'est celui auquel tu te référais tout à l'heure, dont tu avais bénéficié avec ta famille. Il s'agit du visa intra-transféré, quand on est transféré d'une société à l'étranger vers une des filiales ou sociétés sœurs aux États-Unis. Donc, il faut savoir que ce visa est devenu extrêmement complexe. Il y a beaucoup de demandes d'informations complémentaires, hein, communément appelées « request for evidence », sur cette typologie de visa. Je vais y revenir juste après. Et il y a également ce qu'on appelle le « new office », L1 new office, quand on vient ouvrir un nouveau bureau à l'étranger. Je vais revenir sur la question du visa E versus visa L sur notre prochain slide. Il y a également le visa O, donc ce sont pour des individus avec des compétences extraordinaires, et le visa H1B, voilà, the infamous H1B visa, qui dépend d'une loterie, computerized lottery. Il y a 60 000 visas attribués par année. La loterie ouvre en mars, enfin au 1er avril, avec une pré-registration qui a lieu au mois de mars. Il n'y a que 60 000 visas attribués, plus 30 000 pour le cap des gens, des individus qui auraient l'équivalent d'un US Master's Degree. Et ce sont pour des travailleurs dits spécialisés, hein, qui viennent dans des specialty occupations. C'est un visa extrêmement demandé et un peu incontournable. Si on ne qualifie pas pour un visa E parce que la société ne répond pas aux critères de la nationalité, au visa L parce que l'individu n'a pas travaillé au moins un an pour la société à l'étranger avant d'être muté aux États-Unis, on ne répond pas au visa E parce qu'on n'a pas nécessairement encore acquis des compétences dites extraordinaires, eh bien, il ne reste que la solution du visa H1B. Donc, on va passer au slide suivant. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Donc, la question revient évidemment de savoir quelle est la meilleure option de visa. Donc, on va prendre le cas où on est soi-même l'entrepreneur, le founder d'une entreprise. Quelle est la meilleure option de visa? Donc, souvent, une question récurrente, c'est de dire, tiens, j'ai entendu parler du visa L, j'ai entendu parler du visa E, quelle serait ma meilleure option en termes d'éligibilité et de visa? Donc, le visa E, comme je l'évoquais tout à l'heure, eh bien, il faut qu'il y ait une détention française de la société américaine au moins à 50%. Il faut que le bénéficiaire du visa soit citoyen du pays du traité. Donc, en l'espèce, je prends l'exemple, en effet, du traité entre la France et les États-Unis. Il n'y a pas besoin de prouver de relation entre les deux entreprises, hein, comme ça peut être le cas pour un visa L. La durée néanmoins a été réduite de 5 ans à 25 mois. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu court et qu'on arrive finalement assez rapidement au renouvellement du divisa. Il faut également prouver qu'il y a eu un investissement substantiel qui a été fait par la compagnie mère française ou l'investisseur dans la compagnie américaine. Donc, c'est vrai que les étapes de ce visa E sont incorporer une société aux États-Unis,
Deuxième chose, ouvrir le compte en banque de la dite société et aussitôt faire un investissement cash sur le compte de la société américaine. Quand il s'agit d'une société de services, cet investissement devrait être au minimum de 100 000 $. Si c'est pour ouvrir un retail ou quelque chose qui demande une entreprise qui demande de fabriquer, de la manufacture, qui a en cours des frais donc substantiels, et bien l'investissement, évidemment, 100 000, ce sera vraiment insuffisant. Il faudra plutôt viser 200-250 000 d'investissement. Comme vous l'avez compris, l'investissement doit être proportionnel par rapport à l'activité de la compagnie, bien évidemment. Donc, une société de services où finalement on n'aura pas besoin de tant de dépenses, on aura moins de dépenses que si c'est un retail ou le besoin de fabriquer du hardware ou des choses sur place. Visa E versus L, eh bien le visa L, on le demande auprès de l'autorité d'immigration américaine. Le visa E, on fait une demande consulaire auprès du consulat américain à Paris. À l'occasion de la demande du premier bénéficiaire du visa, eh bien on qualifiera la société américaine de treaty investor. Donc, on fait un Master E-Visa et par la suite, il sera possible de faire des applications additionnelles de Visa E. Ce sont des applications du coup plus raccourcies. On n'aura pas autant de documents à donner que pour qualifier la société initialement pendant l'année qui suit la première qualification de l'entreprise. Il faut bien évidemment que les employés ou les personnes bénéficiaires soient éligibles pour ce type de visa et j'y reviendrai dans mon prochain slide. Le visa L, eh bien, il n'y a pas la problématique de la nationalité, hein, de détention française par exemple. Le bénéficiaire n'a pas nécessairement non plus à être citoyen français, ça peut être un citoyen de quelque pays que ce soit. En revanche, le critère d'éligibilité majeur, c'est que l'employé en question ait travaillé au moins un an pour l'entreprise à l'étranger. Et quand je dis un an, sur le papier, c'est 12 months, hein, 12 mois de présence physique, mais en général, on rajoute un mois, 13 mois pour prouver que l'employé avait suivi d'abord un training au sein de l'entreprise pour se familiariser avec le service, les produits de l'entreprise, acquérir déjà une espèce de know-how et ensuite vraiment 12 mois de présence managériale. Donc, il y a plusieurs catégories de L, il y a le L1E. Je ne sais pas, Yves, si tu te rappelles, tu avais peut-être bénéficié du L1A à l'époque, intra-transféré manager pour les cadres managériaux ou exécutifs, et L1B pour les essential knowledge. Donc, ce sont plutôt des profils de type ingénieur que l'on va faire venir. La durée sera de 3 ans et seulement 1 an s'il s'agit d'un nouveau bureau. Donc, si vous venez de créer un bureau qui a moins d'un an d'opération, eh bien, le visa ne sera obtenu que pour 1 an, ce qui est assez contraignant parce que 6 mois plus tard, ça veut dire qu'on doit déjà commencer le renouvellement et repayer tous les frais correspondants auprès de l'autorité d'immigration américaine. Le L1 en ce moment est assez mal perçu ou reçu, on va dire, par l'immigration américaine. Ils ont l'impression que c'est un salarié étranger qui vient prendre la place d'un Américain. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est un visa qui est extrêmement complexe. Il faut donner le CV des gens qu'on manageait abroad. Il faut donner des documents à n'en plus finir et malgré tout, on reçoit, il y a plus de 50% de chances d'obtenir une request for evidence, une demande d'informations complémentaires sur ce type de visa. Donc, c'est vrai que si vous venez créer une entreprise entre le visa E et le visa L, eh bien, je conseille fortement le visa E et je réserverai le visa L que pour les cas où on souhaite, où on n'a pas d'autre choix que de faire venir des nationaux qui ne sont pas français et qui ne pourraient pas bénéficier du coup de la convention entre la France et les États-Unis. Mais c'est vrai que je recommande vivement le visa E versus le visa L. Aussi, il est plus facile d'obtenir un rendez-vous en ce moment à Paris pour un visa E qu'un visa L. Une fois encore, le visa E, on est dans un state of mind où on est en train d'investir. La venue de l'investisseur ou de ses employés est bénéfique pour l'économie américaine puisque vous devez également recruter un premier employé américain. Donc, il faut toujours garder une balance dans un visa E entre le nombre d'employés que l'on fait venir de France et le nombre d'employés américains. Mais pour les Américains, c'est très bénéfique. Vous amenez du cash que vous déposez carrément sur le compte en banque, n'est-ce pas, Yves, hein? C'est plutôt bénéfique. Donc c'est vrai que c'est un visa qui est plutôt bien perçu versus le visa L où il n'y a pas de nécessité d'investir de l'argent. Et donc, une fois encore, ils ont l'impression que c'est un employé étranger qui vient vraiment prendre la place d'un Américain. La question Isabelle, que se pose. Oui.
Je t'interromps juste une seconde. Est-ce qu'il y a, il s'est passé quelque chose? Est-ce que c'est l'administration Trump qui a serré les vis? Parce qu'on avait toujours l'impression que le visa L, par le passé, était plus facile à obtenir. Ou alors, est-ce que c'était un leurre et ça a toujours été compliqué? Ou est-ce que ça s'est durci ces derniers temps? Non, alors c'est une très bonne question. Donc, en fait, déjà, il y avait eu un petit durcissement. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas encore présentée, je le ferai peut-être vers la fin, mais ça fait plus de 16 ans que je fais de l'immigration. Et en effet, les visas L étaient quelque chose de très aisé à obtenir. On écrivait 2 pages et c'était réglé. Donc, déjà, on a vu un durcissement il y a quelques années. Depuis l'administration Trump, il y a eu encore plus de difficultés à obtenir ce visa L. Et sous l'administration Biden, eh bien, c'est devenu aussi terrible. Donc, il faut malheureusement se rendre à l'évidence que la nouvelle administration poursuit un peu une politique qui a été établie sous Trump de donner la préférence à une main-d'œuvre américaine avant toute chose. Et donc, j'en parlerai encore tout à l'heure quand on va venir un peu sur le backlog pour obtenir un rendez-vous à Paris. Mais c'est vrai que le travel ban qui avait été établi à l'époque sous Trump, eh bien, se poursuit vraiment d'une autre manière, un peu plus déguisée. Mais donc c'est vrai que depuis que Biden est entré, la nouvelle administration, eh bien, on a vu qu'il y avait plus de 50% de RFE, de demandes d'informations complémentaires. Donc, c'est vrai que ça s'est amorcé sous Trump, et on a vu un virement clairement sur ce type de visa, mais qui malheureusement se poursuit et n'est pas en train de changer de façon favorable. Merci. Non, merci de ta question. Non, mais c'est important, je pense, de souligner, parce que c'est vrai qu'on avait, on avait pas mal entendu parler de, oui, le, entre guillemets, le plus facile, c'est presque le L, ça va vite, etc. Et les gens ne se rendent pas compte que la situation a vraiment changé, sauf quand ils sont pris dedans, en fait. Non, mais absolument, et ça les surprend toujours, parce que c'est vrai qu'ils entendent toujours, je veux le L, c'est le visa vers la voie royale, c'est celui qui va me permettre d'obtenir une certaine catégorie de green card, l'IB1C, sur laquelle je reviendrai également quand on va aborder les questions de carte verte. Mais c'est absolument ça, et en fait c'est épouvantable, parce que quand les gens des fois insistent, ils disent non mais on m'a dit vraiment que le visa L c'est super, et qui commencent à voir l'amoncellement, le sans fin de questions et de documents qu'il faut donner pour un visa L, et en plus tout doit être traduit en anglais évidemment, donc les fiches de paye de chaque employé, même les employés subordonnés, les CV des employés subordonnés, la copie de leur diplôme, il faut montrer aussi que la société à l'étranger est opérationnelle, donc il faut donner aussi des contrats avec des clients à l'étranger et faire traduire les contrats, alors que le visa E, on le dépose directement auprès du consulat à Paris, qui est bilingue, donc il n'y a aucune traduction à faire, il n'y a pas autant de documents à donner. C'est vraiment des cases que l'on va cocher, il faut vraiment en effet répondre aux critères d'éligibilité, mais c'est beaucoup plus simple, et le visa L, on a beau donner un dossier monumental, et avec ça, ils vont encore cocher, revenir sur la petite bête, vraiment, quel est le pourcentage de temps qui a vraiment été attribué à chaque tâche, c'est un puits sans fin. Donc c'est vrai, Emmanuel, Emma, je te remercie d'évoquer ce point, parce que c'est une souffrance véritable en pratique, et pour les practitioners, immigration practitioners, et pour les clients qui se retrouvent dans cette espèce d'usine à gaz en train de dire mais pourquoi on doit donner tout ça, et avec ça on n'est même pas certain qu'il n'y aura pas une RFE, puisque c'est vraiment en effet une espèce de politique d'essayer de bloquer le visa L. Donc en effet c'est vraiment une actualité en ce moment où c'est vrai que si on doit faire un choix, eh bien, j'encouragerais grandement à faire une demande de visa E contre le visa L. Voilà, et sauf que des fois, on n'a pas le choix, une fois encore. Si une société en France veut faire venir un bénéficiaire de visa qui est brésilien ou anglais ou qui n'est pas français, eh bien, on n'a pas d'autre choix que d'aller sur le visa L. Mais en tout cas, il faut être conscient de la difficulté, de la lourdeur administrative de cette demande de visa. Donc voilà, donc après une autre question, je vais enchaîner sur le visa E versus le visa O. Donc imaginons que vous êtes un entrepreneur founder qui est reconnu, que vous avez eu des articles de presse sur vous, et souvent on dit écoutez, moi je peux obtenir un visa O, je sais que je qualifie. Sauf qu'en pratique, le visa O, c'est aussi un dossier assez complexe à monter. Il faut 10 lettres de recommandation de gens dans l'industrie. C'est un dossier très lourd qui tient à la personne plus qu'à la société. Donc, l'intérêt, une fois encore, du visa E versus le visa O, c'est que le visa E, à l'occasion du premier bénéficiaire du visa, on va qualifier la société. Le visa O ne tient qu'à l'individu.
Donc, c'est vrai que souvent, de la même façon, je conseille de venir tout d'abord en visa E. Et s'il devait y avoir un changement par la suite dans l'entreprise, eh bien, éventuellement, de convertir, de changer du visa E au visa O. Mais souvent, les entrepreneurs sont assez pressés aussi de venir. Donc, c'est vrai que le visa E reste une option quand même assez solide. Il est plus facile, une fois encore, d'obtenir un rendez-vous actuellement au consulat à Paris pour un visa E que pour toute autre catégorie de visa. Et je reviendrai aussi sur ce backlog qui est actuel. Voilà, donc rien n'empêche de venir en visa E, rien n'empêche de passer de visa E en carte verte, comme j'en discuterai également, ou de passer par la suite de visa E et de convertir à un visa O. Au moins, on a plus de temps, ce n'est pas du stress pour l'entrepreneur qui est pressé d'arriver. On a le temps de construire un dossier très solide. Et aussi, une question importante, quid des conjoints? Eh bien, il faut savoir que les époux de visa E ou de visa L peuvent travailler aux États-Unis. Et il y a eu un changement, en effet, puisque maintenant, le statut du conjoint, l'autorisation de travailler, est automatique et dépend directement du statut du principal. Voilà, donc il y a été mentionné qu'il y a une mention qui doit être mentionnée désormais sur le I-94, IS ou LS pour indiquer spouse. Mais dans la pratique, cette mention n'est pas nécessairement mise au port of entry sur le I-94, mais néanmoins, il y a eu un procès, litigation, qui donne le droit désormais au conjoint de travailler automatiquement. Ce ne sera pas le cas pour le conjoint d'un visa O qui n'a toujours pas le droit de travailler aux États-Unis. Donc, le conjoint marié, conjoint marié, pourra venir, mais n'aura pas le droit de travailler. Donc, quand je vous évoquais les conjoints, il faut évidemment être marié. Un conjoint paxé n'aura pas le droit de bénéficier d'un visa dependent. On va passer au slide suivant. Merci Anne-Sophie. Donc, c'est choisir son visa pour son employé. Donc là, on vient de voir comment choisir son visa quand on est soi-même le CEO ou l'entrepreneur, le founder. Mais la question va se poser une fois que vous êtes aux États-Unis et que vous souhaitez faire venir des salariés étrangers. Quelle sera la meilleure option de visa en l'espèce? Eh bien, la question va se poser à nouveau, visa E versus visa L. Voilà, donc je vais aller rapidement puisqu'on vient déjà de l'évoquer. Pareil, comme on l'indiquait, on recommande le visa E dans la mesure où il s'agit d'un individu qui a la même nationalité que le pays du traité. Donc, imaginons qu'on est dans le cadre de la convention entre la France, une fois encore, et les États-Unis. On pourra faire bénéficier du visa E à des employés français en position managériale ou exécutive. Le visa L, compliqué, mais une fois encore, si vous souhaitez faire venir un employé qui n'est pas français, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que de faire un visa L, du moment, une fois encore, que l'individu aura travaillé pendant au moins un an pour la société à l'étranger. Ce visa s'obtiendra pour 3 ans, renouvelable par incrémentation de 2 ans, et la durée peut aller jusqu'à 7 ans pour un L1A, intra-transféré manager ou exécutif, ou seulement 5 ans pour un L1B. Le visa E, on ne l'obtient que pour 25 mois, mais il est renouvelable, en effet, sans limite dans le temps, du moment qu'on correspond bien toujours aux critères d'éligibilité. Enfin, vous avez également l'option du visa H1B que j'évoquais, le H1B qui dépend d'une loterie qui arrive une fois par an avec une pré-registration au mois de mars. Et si la pétition est sélectionnée, donc c'est une computerized lottery, c'est une loterie électronique, si le dossier est tiré au sort, eh bien on aura le droit de soumettre la pétition. Et si le dossier est tiré au sort à la loterie, et approuvé, eh bien, l'employé pourra commencer à travailler pour l'entreprise à partir du 1er octobre qui suit. Il faut savoir qu'une fois que l'employé a obtenu ce visa H1B, eh bien, il est dit transférable. Ça veut dire que s'il souhaite commencer à travailler pour une autre entreprise, eh bien, il faudra bien entendu resoumettre une pétition, mais du coup, on ne dépend plus de la loterie. Et l'employé peut commencer à travailler pour la nouvelle entreprise dès lors que la demande de visa aura été reçue par l'immigration. C'est pour ça qu'on évoque le terme de transfert. Il n'est pas obligé d'attendre de recevoir une décision sur cette nouvelle pétition. Il peut commencer à travailler pour la nouvelle entreprise dès lors que le dossier a été reçu. Attention, le conjoint d'un visa H1B n'a toujours pas le droit de travailler. Il ne pourra travailler que si l'individu qui est en H1B démarre une procédure de green card, arrive à une certaine étape dans laquelle on pourra joindre le conjoint de H1B. Donc, comme je l'ai indiqué, les conjoints de visa O1 et de visa H1B n'ont pas le droit de travailler. Ils peuvent venir aux États-Unis, résider, mais il leur faudra trouver leur propre solution de visa.
On va passer au slide supérieur où il y a le J1 juste que je n'ai pas évoqué. Le J1, c'est quand vous souhaitez faire venir un jeune diplômé. Donc ça, ce n'est pas un visa professionnel, c'est un visa training pour des professionnels qui souhaitent acquérir des skills particulières ou une connaissance du marché américain. On peut convertir par la suite le J1 en visa E2, mais il faut évidemment que la personne soit éligible. Donc, c'est plus délicat si le J1 est la première expérience professionnelle de l'individu. On aura plus de mal à le convertir vers un visa E managérial. Si maintenant, c'est quelqu'un qui avait déjà une expérience au préalable à l'étranger, qui vient acquérir des skills sur ce marché américain, eh bien, on pourra le convertir en effet vers un H1B ou un visa E. Voilà, donc c'est bon. Cette fois, on peut passer à l'autre slide. Voilà, donc comment faire face aux changements de circonstances qui peuvent arriver, hein? How to address any change of circumstances. Donc, il faut déjà connaître la base, savoir que le visa versus le I-94, le I-94. Il y a des différences de réglementation entre la France et l'immigration américaine qui, des fois, sont une source de confusion. En fait, souvent, on est confus quant à la durée pendant laquelle on peut rester légalement aux États-Unis quand on est détenteur d'un visa. Donc, il faut savoir que le visa est un titre de voyage, en fait. Une fois que vous obtenez le visa, vous pouvez venir aux États-Unis versus le I-94, qui est le document, en fait, qui vous donne la durée autorisée aux États-Unis, c'est le authorized stay. Donc, à chaque fois que vous rentrez aux États-Unis, je vous encourage toujours à vérifier votre I-94. Il arrive dans le cadre, par exemple, des visas E2 que dès que vous rentrez aux États-Unis, vous aurez tout de suite 2 ans de plus au-delà de la durée du visa. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une situation où le visa est expiré, mais le I-94 est toujours valide pour encore 2 ans. Donc, dès lors que le I-94 est non expiré, eh bien, vous pouvez continuer à travailler et vous pouvez également faire un changement de statut depuis les États-Unis. Comme je l'évoquais tout à l'heure, vous êtes en visa E, votre société va basculer avec un actionnariat majoritairement américain, donc on va devoir vous faire un changement de statut d'un visa E à un visa O, par exemple. Eh bien, du moment que votre I-94 est non expiré, même si le visa l'est, eh bien, on pourra vous faire une extension of stay, change of status depuis les États-Unis. En revanche, vous ne pourrez pas voyager parce qu'une fois encore, c'est le visa qui est votre titre de voyage, non pas le I-94. Le I-94, c'est ce qui vous donne votre statut légal aux États-Unis. Le visa, c'est le titre de voyage. Donc, I-94 valide, vous pourrez résider plus longtemps aux États-Unis. En revanche, si le visa est expiré, eh bien, il faudra de toute façon entamer une démarche de renouvellement de votre visa. Et si vous deviez voyager à l'étranger, il faudra impérativement repasser par un poste consulaire à l'étranger, récupérer un nouveau visa. On peut aller sur le prochain slide. Merci. Donc, en cas de change of status, voilà, si votre situation personnelle ou professionnelle vient à changer pour des raisons diverses, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, un changement d'actionnariat, hein, votre société est acquise par une grosse société américaine, et bien du coup, on peut vous changer d'un visa E à un visa O, ou on peut également vous faire un adjustment of status si vous deviez passer d'un visa non-immigrant à un visa immigrant, qui est la carte verte. Pour revenir sur ce changement de statut versus une procédure consulaire, donc votre visa arrive à expiration et là vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Soit je peux étendre mon statut depuis les États-Unis, mon I-94 est toujours valide, je vais faire un changement de statut. Ou alors, bah, pourquoi ne pas, j'ai un visa E, pourquoi ne pas du coup envoyer directement la demande auprès du consulat à Paris et aller récupérer un visa E aussitôt à Paris? Bien, la problématique que nous avons, c'est qu'on continue en effet d'observer des backlogs très, très importants, notamment auprès de l'ambassade américaine de Paris. Donc, par exemple, pour cet été, vos déplacements cet été, eh bien, si vous n'avez pas encore déposé un dossier et obtenu de rendez-vous à Paris et que votre statut aux États-Unis est toujours valide, eh bien, il vaut mieux rester aux États-Unis pour le moment parce que vous n'obtiendrez pas de rendez-vous à Paris cet été. On a été prévenu par le chef des visas qu'il n'y a pas de rendez-vous. On le constate nous-mêmes, hein, les prochains rendez-vous sont septembre-octobre et pour les visas O ou L, des fois, ils donnent même en ce moment des rendez-vous pour le mois de janvier. Donc, il faut savoir qu'il y a un énorme backlog, ils n'ont pas remis. Donc, voilà, pour anticiper toute question à ce sujet, il y avait eu déjà un backlog et des problématiques, en effet, au moment du COVID et du travel ban. Sauf que dans les faits, on constate que ce travel ban, bien qu'il ne s'appelle plus de cette même façon, eh bien, continue. Il est extrêmement difficile, une fois encore, d'obtenir des rendez-vous à Paris
Ils ouvrent des possibilités de rendez-vous au compte-goutte. Les visas, eux, une fois encore, sont en meilleure situation pour obtenir un rendez-vous que ne le seraient des demandeurs de visa O ou de visa L. Donc, absolument, regardez, parlez-en avec votre conseil légal parce qu'il faut s'adapter par rapport aux situations et à la pratique que nous constatons, en effet, dans les consulats à l'étranger. Donc ça, c'est quand même un point important aussi dans votre stratégie entre un changement de statut depuis les États-Unis, rester un petit peu plus longtemps ou voyager pour récupérer un visa. Évidemment, chaque cas est différent et il convient d'en discuter avec chacun de vous pour voir voilà, quelle est votre situation et s'adapter et vous conseiller au mieux. Voilà, on peut aller au slide par, voilà, suivant. Donc là, une fois qu'on a un peu évoqué cette overview des visas non-immigrants, que se passe-t-il quand vous avez un changement aussi de situation? Eh bien, vous souhaitez souvent pérenniser votre situation. On a vu aussi cette instabilité qui avait été créée par ce travel ban, ces demandes d'exemption. Vous étiez bloqué des fois aux États-Unis, les conjoints ne pouvaient plus travailler. Donc, comment pérenniser? Eh bien, il n'est jamais assez tôt, si c'est dans votre intérêt, bien évidemment, de démarrer une procédure de carte verte. Il faut toujours se référer également à un avocat ou un fiscaliste hein, pour vous conseiller sur l'aspect fiscal des choses, puisqu'une fois qu'on devient résident permanent, on est tenu de déclarer son revenu mondial et voire d'éviter les doubles impositions. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours bien d'avoir aussi le pendant fiscalité. Donc, quelles sont vos options en termes de carte verte? Eh bien, il y a la catégorie, donc ça va être un peu les chiffres et les lettres, EB1A pour des individus ou des entrepreneurs avec des compétences extraordinaires. Donc, l'intérêt de ce EB1A, c'est qu'on peut se self-petition, on ne dépend pas d'un employeur et on peut aller sur ce visa, qu'on ait un visa, un statut de visa E ou un statut de visa O. Du moment qu'on peut prouver qu'on a des publications sur soi, qu'on a gagné un prix ou un best ranking d'entrepreneur, que sa société dont on est le founder est elle-même à gagner des prix ou a elle-même des publications. Il faut montrer que vous êtes membre d'une association prestigieuse dans votre secteur d'activité, que vous êtes aussi guest speaker à des panels, que vous êtes un expert reconnu dans votre field of expertise. Donc ça, c'est très important. Vraiment, il faut vous marketer comme un produit, en quelque sorte. Voilà, c'est vraiment du self-branding. Et c'est vrai qu'on fait un peu un rôle de coaching pour essayer d'aligner un peu toutes ces cases et de vous montrer sous voilà, le meilleur jour. Vous êtes dans le top 10 mondial dans votre industrie. Donc, c'est très valorisant. C'est très intéressant comme carte verte. Il y a également la EB1C, Manager Multinational ou Executive. Donc, ça, c'est quand on vient depuis un L1A. Je ne sais pas, Yves, si c'est ce que tu avais fait comme carte verte à l'époque. À l'époque, c'était assez rapide hein, voilà, d'obtenir cette catégorie de green card. Maintenant, les délais sont énormes parce qu'il n'y a pas de premium processing. Hein. Je vais revenir un peu sur les étapes juste après. Contrairement au EB1A ou NYW. Donc, c'est en train de changer, mais pour l'instant, c'est une procédure somme toute assez longue. Donc, on croit que c'est la voie royale, mais en fait, c'est des délais très, très longs pour aboutir au EB1C en ce moment. Il y a également la Green Card National Interest Waiver dans l'intérêt de la nation. Donc ça, ce sont pour des profils soit de type chercheur hein, dans la biotechnologie, la médecine, ou ça peut être dans un field qui est dans l'intérêt de la nation, la cybersécurité aussi, par exemple. Donc, ça aussi, on peut se self-petition, on ne dépend pas d'un employeur. Donc, le EB1C, on dépend bien évidemment de la société qui tient votre visa L, on dépend de l'employeur, on ne dépend pas de l'employeur, en revanche, pour un EB1A ou NYW. Les étapes de cette carte verte sont les suivantes. Il y a le I-140, sur lequel on peut bénéficier d'un premium processing pour obtenir une décision en 15 jours ouvrés pour le EB1A. Et on accède au I-485, l'Adjustment of Status, auquel peuvent se joindre les différents membres de la famille. On peut aussi faire un Adjustment of Status ou faire un Consular Processing, parce que souvent, il y a eu des délais pour obtenir un permis de voyager que l'on demande à l'occasion du I-485. C'est un package auquel se joint une demande de travail et une demande de voyager. Donc souvent, les entrepreneurs ou les cadres exécutifs ne peuvent pas se permettre d'être bloqués et on va faire plutôt une procédure consulaire qui est plus longue. Donc il faut s'attendre à peu près un an pour une procédure I-140, I-485 et un an et demi, je dirais, pour le consular processing, parce qu'il faudra obtenir un entretien au consulat à l'étranger et comme on en a discuté,
il y a peu de rendez-vous disponibles. Voilà, donc évidemment, tout évolue et il s'agit de voir au moment où on est prêt quels sont les délais au poste consulaire. Hein. Tout peut évoluer et positivement, bien évidemment. Il y a également les cartes vertes dites classiques, EB2, EB3. Donc là, c'est plus pour des employés. Le candidat doit posséder un master ou un diplôme universitaire de type US Bachelor's Degree, équivalent d'un US Bachelor's Degree. Donc, ce soit l'équivalent d'un US Master's Degree, soit l'équivalent d'un US Bachelor's Degree avec 5 ans d'expérience dans son domaine pour une carte verte de type EB2. Ou alors, pour une carte verte de type EB3, eh bien, on peut avoir l'équivalent d'un US Bachelor's Degree, mais on n'a pas nécessairement les 5 ans d'expérience dans son domaine, mais les délais sont exactement les mêmes et c'est la même procédure. Donc, la procédure, la différence par rapport aux cartes vertes que j'ai mentionnées précédemment, eh bien, c'est que se rajoute l'étape du PERM. C'est une étape, c'est la première phase qui consiste à essayer de recruter un Américain pour le poste en question. Donc, ça peut sembler absurde, mais on doit jouer le jeu et on doit essayer de trouver un Américain qu'on ne va pas forcément nécessairement trouver, mais en tout cas, on essaye de trouver cet Américain. Et ça se clôture par un formulaire électronique communément appelé le PERM. Et après, on retombe sur les deux autres options, le I-140, la pétition, et l'Adjustment of Status, on peut rajouter les membres de la famille. Donc, les délais de traitement et de time processing eh bien, peuvent varier. Donc, le I-140, comme dans les cas que je l'ai évoqué, on peut bénéficier d'une option premium processing qui permet d'accélérer en payant un fee supplémentaire à l'autorité d'immigration américaine. On peut obtenir une décision en 15 jours ouvrés. En revanche, pour la partie PERM et la partie Adjustment of Status, il n'y a pas de premium processing. Donc, du coup, c'est assez long et on dépend des délais de l'administration américaine. Donc, ça peut varier. Là, en ce moment, on a vu un petit coup de boost récemment parce qu'il y a eu des plaintes. En effet, l'année dernière, toutes les cartes vertes n'ont pas été attribuées. Et du coup, à coup de procès contre l'administration, eh bien, on arrive à grignoter des choses et du coup, à obtenir en ce moment que les délais se raccourcissent un petit peu et qu'ils arrivent à travailler un peu sur ce backlog qu'on avait constaté une fois encore sur les cartes vertes. Voilà, eh bien écoutez, on peut passer au slide suivant. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour rapidement des options. Est-ce que, voilà, s'il y a des questions, évidemment, il faut savoir qu'il faut toujours anticiper, hein, ce sera aussi le mot de la fin, toujours chercher à anticiper. Essayer d'anticiper tout changement, d'accord ? Et puis de se dire, voilà, je viens au début pour 3 ans dans le cadre d'un LUAN et puis je verrai, mais le temps passe très vite. Les délais sont longs. Donc, c'est vrai que n'hésitez pas tout de suite à parler avec votre entreprise d'une procédure de carte verte. Chaque cas est différent, bien évidemment. Donc, on est là pour, évidemment, discuter de cas personnels et d'essayer d'établir une stratégie, comme vous avez pu le voir, court terme, moyen terme, long terme, et d'essayer de vous accompagner dans toute l'évolution qu'il peut y avoir au niveau aussi bien de votre société, de vos employés, que de votre situation personnelle. Voilà, je crois que je vous ai tout dit aussi vite, enfin, et bien que possible. Je repasse le micro. Ah. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste une petite question complémentaire, parce qu'on l'avait évoqué même ensemble il y a quelques semaines, mais tu m'as parlé du B1, qui était quelque chose que je ne connaissais pas. Tu l'as évoqué là au début de présentation dans les temporaires. Et comme on a, après un travel ban de 2 ans, on a quand même pas mal de gens, qui, notamment d'entrepreneurs, qui pensent à s'implanter ici maintenant que ça y est, c'est possible. Oui. Mais qui, du coup, savent pas trop, commencent à venir en ESTA et puis se rendent compte qu'ils passent plus de temps que prévu et qu'ils ne sont pas censés travailler quand on est en ESTA. J'aimerais bien qu'on passe juste 2 petites minutes sur ce fameux client qui m'a l'air d'être une solution plutôt pratique. Tout à fait. Donc, c'est très juste. Donc, en fait, c'est vrai que ce qu'on a constaté, tu as raison, Emma, c'est souvent des entrepreneurs qui viennent de plus en plus fréquemment en utilisant l'ESTA. Sauf qu'il y en a qui se font aussi refouler ou coincer parce qu'ils vont faire 3 mois, les 90 days autorisés, rentrer en France et puis revenir aussitôt ou alors venir tous les mois. Et là, ils se font des fois coincés, en effet, au port of entry et ils passent un mauvais moment dans ce qu'on appelle communément le bocal au bureau derrière, qui est assez impressionnant. Donc, c'est vrai qu'une solution de visa court terme que je recommande vivement, c'est si on anticipe qu'on cherche à venir implanter la société aux États-Unis,
qu'on va avoir des rendez-vous business, qu'on va devoir chercher un bureau, on va devoir rencontrer eh bien, voilà, les avocats, le banquier, commencer à vouloir s'implanter, négocier même des contrats clients qui vont nécessiter tout ça un petit peu de temps, voire recruter aussi ce premier employé. Eh bien, il y a la solution du visa B1 que je recommande. Donc, avant de venir faire plein de voyages sur lesquels on va être grillé, puis en plus, on ne pourra pas faire de demande de B1 parce que si vous présentez un B1 après avoir fait de multiples voyages en ESTA, l'officier va voir tout votre détail de voyage dans son système et vous dire, mais attendez, vous avez passé déjà un temps fou aux États-Unis, qui me dit que vous n'êtes pas en train d'essayer de détourner l'usage de ce B1 pour venir travailler illégalement aux États-Unis. Donc, en effet, il vaut mieux demander le B1 aussi tôt que possible pour montrer patte blanche, dire voilà, je viens en prospection business, j'ai l'intention en effet d'ouvrir une filiale ou de prospecter le marché américain, de venir à la chambre, de faire une learning expedition, de faire différentes choses. Eh bien, le B1 sera un outil très important et un outil clé. Ça peut permettre de rester au-delà des 90 jours autorisés d'un ESTA, donc 6 mois d'affilée, ce qui est pas mal, ou alors de faire de multiples visites, de montrer patte blanche, de venir chaque mois, en disant, voyez, j'ai un B1, je viens pour des missions temporaires business. La difficulté néanmoins du B1 actuel, c'est qu'il n'y a pas de rendez-vous disponible rapidement. Et ça, c'est un changement de la tout récent qu'on vient d'avoir, où à l'époque, on avait un B1 sous 3 semaines. Et là, en ce moment, les prochains rendez-vous sont en septembre, voire octobre. Donc ça, c'est une nouveauté, en effet, qui est un peu une contrainte énorme. Donc, c'est vrai qu'on recommande vivement d'utiliser cet outil. En plus, c'est facile, ce n'est pas un dossier qu'on soumet en amont. C'est un dossier qu'on prépare avec lequel une lettre de mission que l'on va rédiger. L'individu va avec son dossier sous le bras, fait un petit pitch à l'officier et présente sa lettre de mission. Donc, c'est vrai qu'en plus, ce n'est pas une difficulté énorme de présenter ce dossier de B1. Ce n'est pas comme un visa E qu'on doit soumettre en amont ou tout autre type de visa. Mais la difficulté, c'est comment obtenir un rendez-vous. Donc, souvent, il faut vérifier chaque jour s'il y a des créneaux horaires qui se libèrent parce qu'il y a beaucoup, en effet, de va-et-vient, des gens qui se désistent, qui changent leur rendez-vous. Mais voilà, la difficulté, je dirais, de ce B1 actuellement, c'est d'obtenir un rendez-vous. Est-ce que ça répond? Oui, c'est assez clair sur le... Oui, c'est dommage pour les rendez-vous, du coup. Non, en fait, c'est ça, on a un backlog. Donc, c'est quelque chose qui va commencer à être remonté, hein, parce qu'au début, bon, il y avait le Covid, le personnel qui n'était pas là, malade, etc. Mais là, on voit que c'est en train un peu de s'installer. Donc, je pense que, j'ai vu qu'il commence à y avoir un peu des choses qui se passent, ça commence à être noté. Donc, c'est vrai qu'on va voir comment les choses vont évoluer. Une fois encore, je suis toujours optimiste, donc j'espère que ça va être positif et que les délais vont se résoudre rapidement. On espère tous. et qu'ils vont remettre peut-être aussi du personnel consulaire, dans les postes consulaires importants, surtout comme celui de Paris, en effet, qui est un des postes consulaires en Europe le plus important. Après, il est possible aussi d'aller dans un autre consulat, par exemple, donc ça, c'est ce qu'on essaye aussi de voir. Il y a des postes Francfort, par exemple, en Allemagne, il y a des postes qui ont des rendez-vous disponibles avant d'autres. Donc, c'est vrai qu'il faut aller voir, en fait, quels sont les délais pour obtenir un rendez-vous dans les différents postes consulaires pour essayer de jouer là-dessus, des fois. Mais la difficulté que l'on a aussi là-dedans, c'est que certains postes consulaires n'acceptent que le résident de leur pays ou leur ressortissant. C'est le cas de la Belgique qui, avant, acceptait aussi des ressortissants français. Comme ils ont eu beaucoup de demandes, du coup, ils ont un petit peu refermé. Donc, voilà, on essaye de jouer et de voir dans la pratique ce qui se passe pour essayer de conseiller au mieux. Mais sur le principe, le B1, c'est un outil très usité parce qu'on passe facilement du B1 au visa E2. C'est dans la logique même de commencer avec un B1 pour monter sa structure, la rendre opérationnelle, ce qui est demandé, en effet, dans le cadre d'un visa E. Un visa E est extrêmement factuel. Il faut que le projet, la société soit déjà montée avant qu'on ne puisse déposer le dossier. Donc, c'est d'abord, le focus doit être sur le projet et le visa va suivre. Mais c'est vrai que la difficulté, souvent pour ces entrepreneurs, c'est je ne peux rester que 90 jours. Donc, le B1, j'aime beaucoup cet outil. Mais voilà, avec la petite difficulté qu'on a en ce moment et on espère qu'il va se résorber rapidement. Merci. Et alors après, de toute façon, il y a plein de subtilités, on ne peut pas parler de tout, mais on est d'accord qu'il y a aussi des visas un peu différents pour
si on est étudiant, si on est prof, si on est artiste, si on est... Ensuite, voilà, il y a des catégories bien spécifiques. Tout à fait. Là, faut consulter pour les cas un peu plus spécifiques. Tout à fait. Après, ben voilà, il y a le visa F. Donc, c'est vrai que souvent, pour des jeunes qui sont, qui font un master's degree, voilà, on en a vu à Berkeley ou autre, ils bénéficient du visa F étudiant et après de ce qu'on appelle un OPT, un post-completion training, qui leur permet déjà de commencer à travailler pour une entreprise. La question se pose pour eux de comment passer d'un visa F à une autre typologie de visa professionnel. Donc, c'est possible, hein, même quand ils sont dans le cadre de leur OPT, ils peuvent après soit basculer sur un H1B, mais qui est soumis à une loterie, ou s'ils ont la chance de travailler pour une entreprise de la même nationalité, je cite le cas de la France, puisque voilà, on est dans le cadre de la Chambre franco-américaine, eh bien, ils pourront aussi faire une demande de visa E qui, pour la peine, peut se faire à n'importe quel moment de l'année, qui ne dépend pas d'un quota ou d'une loterie. Donc, si ces jeunes gens sont amenés à travailler pour une société détenue majoritairement par des Français, ils pourront bénéficier d'un visa E et convertir l'EF en E, ou si c'est pour une entreprise américaine, eh bien, il faudra convertir du F à une demande de visa H1B. Et le visa O, donc en fait, c'est vrai que souvent, on pense au visa O artiste. Hein, donc, c'est vrai que le visa O était conçu avant toute chose pour les artistes, mais il est aussi très utilisé, très usité pour des entrepreneurs ou des CEO d'entreprises. Et donc là, ce sera le O1 business. Donc, les critères d'éligibilité sont quelque peu différents. Hein. Pour les artistes, on va prouver le commercial success, le succès de leur performance, qu'ils ont aussi, ce sont des artistes reconnus dans leur secteur d'activité. Et le business, en revanche, c'est montrer sa contribution au field. De quelle façon on innove, on disrupte une industrie, on contribue à faire avancer son domaine d'excellence. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, voilà, donc c'est toujours un visa O, mais il y a le O1A et le O1B. Il y a deux sous-catégories de O1, donc en fait, qui s'attribuent aux artistes ou aux businessmen et entrepreneurs. D'accord, ça n'en finit pas en fait. Oui, non, c'est ça, il faut bien connaître son alphabet. Mais... Voilà, mais et le J1 aussi que j'ai évoqué, qui est pas mal aussi en ce moment, parce que ça, c'est plus pour faire venir des jeunes professionnels aux États-Unis, le temps aussi de les passer d'un autre typologie de visa. Donc ça aussi, le J1 pour des jeunes diplômés, ça peut être aussi un outil intéressant et on peut aussi le convertir par la suite dans une autre typologie de visa professionnel. Alors là, je vais faire un petit peu d'auto-promo, mais j'en profite pour dire que dans les cas de VIE, enfin, en général, la Chambre peut sponsoriser des J1. Donc, surtout, n'hésitez pas. Ouais. Non, non, ce qui est très positif, parce que c'est vrai qu'on recommande beaucoup le J1 pour, en effet, ces jeunes diplômés. Et puis, il faut savoir que ça peut déboucher aussi sur un autre type de visa par la suite. Et alors juste, tu l'as dit tout à l'heure, on ne l'a pas fait au début, donc j'aimerais bien qu'on le fasse maintenant, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quelques minutes ton parcours en fait ? Oui. Et ce que vous offrez, bah, le sujet de ça, mais après, voilà. Non, c'est vrai. Des infos sur toi et ton parcours. Absolument. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai un petit peu un parcours un peu atypique au démarrage puisque je travaillais en France pour TF1. Donc, j'étais plutôt dans le droit de l'audiovisuel. Et chose amusante, quand je me suis lancée en arrivant aux États-Unis dans le droit de l'immigration, eh bien, j'ai retrouvé des artistes que je connaissais depuis TF1 à l'époque. Donc, c'est vrai que finalement, les deux se sont combinés. Et puis, ce qui est très intéressant dans le droit de l'immigration, c'est qu'on fait un véritable bridge entre le légal, le business. On essaye d'accompagner aussi des entrepreneurs dans leur démarche, en fait, qui n'est pas toujours aisée, comme on vient de le voir, avec certaines complexités, de leur donner les clés de la réussite aux États-Unis et de les guider au mieux, d'avoir les meilleures connexions et networks pour leur faciliter leur implantation aux États-Unis. Donc, c'est vrai que j'ai créé mon cabinet en 2006 à New York. Donc, j'ai toujours mon bureau sur la côte Est avec mon équipe, voilà, qui est composée. Donc, on a le core business qui est le droit de l'immigration avec une équipe composée d'avocats français et américains. Et après, au fur et à mesure, eh bien, les clients voilà, demandaient à être accompagnés sur d'autres sujets. Donc, c'est vrai qu'on a aussi du business strategic advisory. On a aussi des consultants experts aussi qui peuvent aider ces entrepreneurs sur certains points. Et puis, voilà, on essaye de favoriser leur venue, leur entrée dans l'écosystème local aussi à travers la chambre.
évidemment de commerce, qui est un point incontournable pour la venue et l'implantation et leur évolution aux États-Unis. Donc c'est vrai que voilà, on a plaisir à faire ce bridge, ce pont, ce lien entre la France et les États-Unis, d'autres nationalités également aussi. Et du coup, j'assiste depuis plus de 16 ans des artistes, des entrepreneurs, des cadres, leurs employés, dans une approche vraiment humaine, puisqu'on est nous-mêmes immigrants, donc on est passé par toutes ces étapes. Donc c'est vrai que ça nous prend à cœur, tous ces sujets, on les a à cœur. Donc voilà un petit peu en résumé la situation, et puis proud board member de la chambre. Nouvelle board member. Nouvelle. Hier soir, fraîchement élue. Voilà. Au bord de la chambre. Et alors, juste, j'avais une petite... pareil, parce que les Français qui n'auraient pas encore émigré aux États-Unis ne se rendent peut-être pas compte. Les États-Unis, c'est un pays. Merci. Mais ce sont surtout des États différents. Et là, Columbus peut exercer en Californie et à New York, c'est dans les deux États. Non, même, le droit d'immigration, c'est fédéral. Donc, en fait, quel que soit l'État, absolument, que ce soit le Texas, la Floride, tout à fait. Le droit d'immigration, c'est vraiment particulier pour ça. Ce n'est pas rattaché à un État. C'est un droit fédéral cross states, en fait, qui est centralisé. Donc, en fait, il n'y a aucun souci, quel que soit le bureau, quel que soit l'État, en fait, on peut gérer. Ah, ça, c'est bien, parce que d'habitude, les autres cas légaux… Exactement, absolument. Donc, c'est vrai qu'un avocat… Il peut se développer dans différents États, notamment, parce que ça arrive. Il y a possibilité d'avoir un seul avocat d'immigration. Tout à fait, parce que souvent, c'est vrai que c'est un cas typique où l'entrepreneur va incorporer sa société dans l'État du Delaware et après faire des right to do business dans chaque État dans lequel il aura un bureau. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un bureau à New York et puis un bureau à San Francisco, surtout pour des entreprises dans la tech. Ce sera un peu les deux pôles de développement. Mais voilà, il y a aussi Chicago qui se développe, etc. Donc, c'est vrai qu'on peut faire un accompagnement transnational, et d'où l'intérêt aussi d'avoir une présence physique ici et une présence côte-est aussi. Donc, ça permet en effet de répondre à tous ces besoins intermédiaires, on va dire. D'accord. Et alors, dernière question aussi. Est-ce que c'est toujours par un avocat d'immigration qu'on passe lorsqu'on veut passer, par exemple, d'une green card à la nationalité américaine ? Alors, oui, alors déjà, on n'est pas obligé de passer par un avocat d'immigration. On peut faire soi-même, même l'immigration en général, on peut faire soi-même son dossier. Voilà. Alors après, c'est autre chose si on le conseille ou pas, parce qu'en immigration, on n'a pas le droit à l'erreur, malheureusement. Donc, la moindre case qu'on coche mal, on a le dossier éjecté ou on se retrouve dans des méandres pas possibles de l'immigration. Donc, c'est vrai que c'est très complexe. Cela dit, la US citizenship, ce n'est pas très complexe en soi. C'est vraiment du paperwork. Il y a quelques cas complexes si on a passé du temps à l'étranger, parce qu'il faut quand même répondre à certains critères d'éligibilité de la US citizenship, de présence physique sur le territoire américain notamment. Donc voilà, je conseillerais de consulter un avocat d'immigration si vraiment il y a des choses un peu difficiles dans le dossier, parce qu'on a passé plus de temps à l'étranger qu'aux États-Unis alors qu'on était en carte verte. Mais sinon, ça ne nécessite pas. En effet, on peut le faire tout à fait soi-même. C'est plus du paperwork administratif qu'autre chose. Il n'y a pas de stratégie particulière à mettre en place. D'accord. Donc ça, on peut le faire complètement. Voilà, il faut juste prendre son courage à deux mains, comme toute procédure administrative. Prendre un mois de congé. Voilà. Oui, c'est ça en fait. D'ailleurs, c'est ça. Moi-même, je me dis, tiens, je passe par quelqu'un dans l'équipe, parce que c'est vrai, pour ne pas avoir à cocher mes cases. Mais voilà, en tout cas, on peut tout à fait le faire soi-même sur le principe. Tout à fait. C'est comme aussi, il y a les green cards par mariage. On peut passer par un avocat d'immigration, on peut le faire soi-même. Voilà. Après, c'est toujours s'assurer que le problème, si on fait soi-même des procédures, c'est que s'il y a le moindre problème, on a envoyé au mauvais service center d'immigration, le dossier a disparu, n'est jamais arrivé, on n'a personne pour représenter, en fait. On est tout seul à essayer de se battre pour avoir des réponses ou voir ce qui n'allait pas. Donc c'est ça le risque, c'est que du coup c'est trop tard quand on a un problème d'aller dire tiens, est-ce que vous pouvez m'aider, parce que du coup on n'est pas représenté légalement par qui que ce soit. Voilà, donc c'est plutôt ça. Mais sur le principe, on a le droit de faire soi-même ces dossiers d'immigration. C'est bien de faire appel à des professionnels, je pense, pour des choses assez pointues. C'est vrai. Tout le monde peut faire une déclaration d'impôt aux États-Unis soi-même. C'est vrai. L'expérience montre que beaucoup de gens, malgré tout, préfèrent
faire appel à des CPA ou à des tax advisors pour le faire, vu la complexité de la chose. Et encore une fois, sans préjuger des compétences, je pense que Isabelle est d'un très, très bon conseil, en tout cas, pour guider dans les méandres du système des visas. Parce que, effectivement, c'est quand même assez complexe. Oui, tu as vu, hein, c'est quand même... Notre jeu des chiffres et des lettres, c'est quand même, oui, et puis c'est surtout de plus en plus stratégique aussi. Avant, on disait, bon, ben voilà, je rentre dans une catégorie de visa, et this is it, et c'est vrai que là, maintenant, il faut adapter, il y a des habillages d'immigration aussi, et voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails techniques, évidemment, mais des fois, il faut valoriser un poste, des fois, au contraire, il faut le diminuer, parce que quand on fait une procédure de carte verte, il y a une demande de salaire minimum qui va être exorbitante. Donc, des fois, on doit un peu réadapter des positionnements stratégiques d'immigration. Et puis, une fois encore, voilà, anticiper, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, encadrer de toute une équipe. Hein, quand il y a une acquisition de société entre les avocats, les counsel corporate, la banque, l'immigration. Enfin, c'est vrai que du coup, c'est bien d'être encadré par une équipe. C'est vrai, une bonne équipe. Merci beaucoup Isabelle. Je ne sais pas si Yves, tu avais une autre question à poser ou si tu as eu toutes les réponses dans la présentation. J'avais juste une rapide question. Aujourd'hui, Isabelle, entre le projet effectivement de s'implanter aux États-Unis et de s'installer aux États-Unis et donc la décision de démarrer le process, tu recommandes en règle générale, effectivement, quel délai, finalement, oui. D'anticipation. Oui, c'est une Alors, très bonne question. Ça dépend peut-être du type de visa, tu vas me dire, mais globalement, quand on commence à réfléchir à s'implanter, est-ce qu'il faut démarrer tout de suite les procédures c'est une excellente question, parce qu'en fait, souvent, on se dit, tiens, je démarre par le visa, il me faut le visa pour venir aux États-Unis. Donc, il me faut le visa. Or, en effet, il faut anticiper, je dirais, sur une période de 6 mois. Il faut que la société soit opérationnelle désormais. Avant, on envoyait une demande de visa E en disant avec un stratégique business plan et un forecast. Voilà, d'ici un an, je ferai ci, je ferai ça. Là, j'ai juste incorporé la société. Et this is it, et on donnait un business plan avec un forecast. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Les officiers veulent s'assurer que la société est réelle et opérationnelle. Donc, en effet, je dirais qu'il faut laisser au moins minimum 6 mois pour monter ce dossier. Donc, en fait, l'entrepreneur, il faut qu'il y aille full mode. Il faut tout de suite, au plus vite, incorporer la société, ouvrir le compte en banque, faire un virement, quel que soit le type de visa, parce qu'il faut un sponsor aux États-Unis, il faut que la société soit opérationnelle, que ce soit un L New Office, un visa E, entrepreneur. À H1B, il faut bien entendu qu'il y ait déjà une entité déjà sur pied. Donc, dans tous les cas, c'est très juste comme question. Moi, je dirais une période de 6 mois, mais intense. Ça veut dire qu'il faut qu'en 6 mois, la société soit opérationnelle, qui a eu la société incorporée, l'ouverture du compte en banque, le virement cash et aussi un point très important, dépenser depuis le compte de la société américaine. Souvent, on a des investisseurs qui vont dépenser à droite, à gauche par le biais de la maison mère. Tiens, ben, je vais payer tel frais, je vais payer ça ou de ma poche. Non, la marche à suivre, c'est vraiment ouvrir le compte en banque qui est critique, faire le virement cash sur ce compte en banque et dépenser l'argent depuis les États-Unis. Du coup, nous, une fois qu'on a tous les documents, les preuves, on peut rédiger une lettre dans laquelle on va illustrer tous les points que l'on cite. Voilà, la société a été créée à telle date. Il y a eu un virement cash qui a été effectué à telle date. Voici le montant des dépenses effectuées. Donc, c'est vrai que ce n'est pas d'abord le visa et après, je monte ma société. C'est je monte mon projet, je monte ma société, je la rends opérationnelle et le visa va suivre. Nous, on va faire en sorte d'illustrer et de mettre en perspective toutes les opérations, tout ce qui s'est passé dans la société. Donc, je dirais en gros, 6 mois pour rendre opérationnel. Nous, on bloque par exemple 15 jours ouvrés, 10 jours ouvrés pour monter le dossier d'eux une fois qu'on a tous les documents. Et après, on obtient un rendez-vous de visa E, en général, sauf période estivale, sous 3 semaines. Donc, ça marche plutôt bien. Donc, l'intérêt, c'est que d'abord, c'est les homeworks de l'entrepreneur qui doit rendre cette structure opérationnelle. 10 jours ouvrés, 3 semaines. Donc,
c'est plutôt efficace, voilà. Sauf quand on est en période estivale et que là, il n'y a plus de rendez-vous dispo avant la rentrée, mais c'est plutôt assez rapide. Donc, voilà, mais tu vois, il faut juste que être dans le full mode. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller de façon frileuse ou pas à pas. Il faut y aller d'un coup, one shot. Oui, je note surtout la nécessité, non pas seulement de mettre une somme d'argent, comme ça avait été souvent le cas. Exactement, passé, absolument. Mais d'utiliser les fonds disponibles et d'avoir une réelle activité sur le territoire américain. Absolument, avoir même recruté le premier employé américain, ce qui peut sembler fou, parce que souvent l'entrepreneur dit, attendez, moi je ne suis pas encore là, je ne vais pas recruter quelqu'un. Or oui, même si ce n'est pas dans les règles écrites, c'est quand même, l'officier veut voir que la venue de l'employé, du CEO, de l'entrepreneur est bénéfique à l'économie en tout point de vue, en termes d'investissement, de dépenses, on va dépenser de l'argent aux États-Unis, et en termes de recrutement d'Américains. Donc tout à fait Yves, c'est avant on mettait, c'est exactement ce que tu décris, 100 000 dollars sur un compte, on donnait un BP, un forecast, on n'avait pas encore d'employé, à peine le liste du bureau signé, et c'était tout. Et là, non seulement il faut voir qu'il y a eu du cash déposé, mais qu'en effet, ça y est, on a commencé à le dépenser avec des dépenses pertinentes. Un bail de bureau, la paye du premier employé, les frais légaux, comptables. Ce n'est pas juste des frais d'hôtel ou de location de voiture ou de billets d'avion. C'est vraiment des dépenses pour l'usage de la société américaine. Donc, c'est un point, en effet, très important à souligner. Oui, merci. C'est très important. Je vais me refaire un mini coup d'autopromo pour la chambre du coup, mais j'en profite effectivement pour dire que dans le cadre d'un projet entrepreneurial, une fois qu'on a incorporé sa société potentiellement dans le Delaware et qu'on n'a pas encore envie de louer des locaux commerciaux, etc., la chambre fait de la domiciliation et du mail hosting qui permet d'avoir une adresse physique dans le lieu où on souhaite s'établir, d'avoir aussi une dépense parce qu'il y a des frais alors qui sont très limités, c'est 85 dollars par mois, mais ça permet aussi d'avoir une dépense. Attention, parce que en fait, il ne faut pas juste une domiciliation, il faut un sublease, et je crois que la chambre fait aussi des sublease de bureaux. Donc c'est ça. Les gens ont besoin. Voilà, exactement. Donc ça, c'est très utile, le sublease, parce que dans le cadre d'une demande de visa E, on a besoin d'un sublease. Donc il ne faut pas juste payer 85 dollars, mais il faut payer même le montant que vous facturez pour avoir un bureau au sein de la chambre. Donc, c'est vrai que la domiciliation, c'est très utile. Moi, je l'utilise aussi comme service. Et le sublease est très important et la chambre fournit ce service qui est extrêmement utile. Donc, c'est vrai que l'entrepreneur n'a pas à chercher partout. Il peut s'adresser directement à la chambre. Ouais. Avec un contrat de sublease. Donc, Hippie pourra pour la chambre. Oui, mais qui est plus adapté dans le sens où on est beaucoup plus léger dans ce qu'on demande. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de voilà. Ça peut, donc c'est plus facile pour un entrepreneur que d'aller rencontrer des vraies entreprises. Nous sommes une vraie entreprise, mais voilà, d'aller vraiment chercher des locaux avec des baux de 3 ans potentiellement, etc. Absolument. Non, et ça a été le cas d'ailleurs sur des dépôts de dossiers. Il y a eu des sublises avec la chambre, et c'est un outil très utile. Oui, absolument. Aujourd'hui, avec le remote. Ou le working from home, est-ce qu'il n'y a pas finalement une difficulté pour les entrepreneurs justement à louer des bureaux, ce qui est une dépense, comme on le sait, significative, surtout à San Francisco ou à New York, par rapport aux besoins? Comment est-ce qu'ils arrivent à gérer cette problématique? Absolument. Donc, dans la théorie, l'immigration dit qu'on n'est pas obligé d'avoir un bail de bureau. Sauf que dans la pratique, on a constaté que les officiers continuent de demander à avoir un bail de bureau pour s'assurer que les employés vont travailler d'un endroit où il y aura toute une équipe qui va se former, et ça va dans leur esprit encourager aussi le recrutement d'employés américains qui seront centralisés dans un bureau. Mais c'est une énorme difficulté, en effet, puisque maintenant, c'est plus du tout, pratiquement plus à l'ordre du jour. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'une domiciliation est suffisante, puisque maintenant, c'est juste comment récupérer le courrier, etc. Or, dans les faits, dans la pratique, on constate que l'immigration n'a pas encore véritablement franchi le pas. Donc, ils disent que sur le principe, oui, on pourrait ne pas avoir de bureau, sauf que dans les faits, on sait aussi que c'est une dépense pertinente.
Donc, non seulement ça va prouver que oui, il y a un point central pour accueillir les employés, mais également ça constitue une dépense qui est relevant, une dépense faite pour l'usage de la compagnie. Donc, ça nous prouve en général deux choses. Un, le concret de l'entreprise, qui a un vrai headquarters pour accueillir les employés. Et deux, c'est une dépense pertinente. Voilà, surtout quand on a une start-up qui démarre, on n'a pas 10 000 dépenses non plus à donner. Donc, c'est vrai qu'au moins un bail de bureau, voilà. En fait, c'est vrai que l'esprit de l'investisseur, c'est qu'il faut dépenser. Donc, c'est vrai que souvent, l'investisseur français se dit, ben non, attendez, moi, j'y vais doucement. Or, le fait de demander un visa oblige à précipiter certaines choses et en effet, aller de façon artificielle vers des choses vers lesquelles on aurait été peut-être plus tardivement. Mais c'est vrai qu'en effet, il y a une espèce de contradiction, surtout dans une ère post-Covid où la plupart du temps, maintenant, les gens travaillent, font du work from home. Donc, absolument, c'est une grande question à chaque fois des entrepreneurs. Non, mais pourquoi j'ai besoin d'un bail de bureau? Tous mes employés travaillent de chez eux. Et dans le cadre du H1B, il y a même encore des visites on-site du bureau. Et il faut donner même les photos du bureau. Donc, c'est vrai que ça semble complètement irréel dans cette ère post-Covid. Néanmoins, bah, le but, c'est d'obtenir le visa. Donc, on joue le jeu. Une fois encore, on est là pour cocher les cases. Et puis après, bon, bah, l'entrepreneur pour voir comment les choses évoluent. Hein, mais voilà. Donc, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est quelque chose qui semble un peu fou, comme de recruter un premier employé américain. Ça précipite des fois aussi des recrutements. Et du coup, Emma, la chambre aussi, d'ailleurs, maintenant, voilà, lance la plateforme de recrutement, c'est ça? Oui, on essaye, c'est encore balbutiant, mais on aide déjà les entreprises plus d'une manière informelle en relayant les offres et les demandes entre les membres. Mmh. Et on va essayer de professionnaliser un petit peu ça pour que ce soit encore plus efficace. Mais on le fait, il y a pas mal de nos membres qui sont passés par nous pour des recrutements. Mais voilà, on n'est pas une agence de recrutement, on ne souhaite pas le devenir. On souhaite plutôt faciliter la mise en connexion d'entreprises et d'entrepreneurs français avec des talents français qui sont membres en les mettant dans un même écosystème. Et voilà, on est en train de travailler sur cette plateforme pour qu'elle soit un peu plus opérationnelle et plus professionnelle que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Oui, non, mais ça, c'est aussi très utile de la même façon. Voilà, parce que c'est vrai qu'ils doivent recruter. Et là, c'est en confiance et dans un écosystème connu avec des gens connus. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi l'apport de la chambre, c'est que c'est un écosystème de confiance. Donc, c'est vrai que... Non, mais voilà, c'est des choses utiles. Mais c'est vrai que... Non, Yves, c'était des très bonnes questions, en effet, parce que c'est... Voilà, on voit la théorie et la pratique. Merci beaucoup. En tout cas, Isabelle, je vois que l'heure a tourné, mine de rien. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On ne s'en lasse pas. C'est ça. Et de toute façon, tous nos Meet the Experts peuvent être trouvés pour tous nos membres sur le site Internet dans leur espace personnel. Donc, c'est pour ça qu'on enregistre notamment. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, ils pourront le revoir sur le site tranquillement, Internet. Voilà, digérer les informations. Exactement, intenses. En faisant des pauses toutes les deux minutes. C'est ça, des pauses. Alors, EB1 et EB2 aussi. Mais bon, en tout cas, en conclusion, je dirais que quoi qu'il arrive, quand on a une problématique visa, il faut quand même essayer de se tourner rapidement vers quelqu'un dont c'est le métier et la spécialité. Absolument. Il y a énormément de subtilités. C'est facile de demander à droite à gauche, et toi, tu as fait comment, et toi, tu as fait comment. Le problème, c'est que les règles changent. Et que ce qui était valable il y a un an ou deux pour notre meilleur ami n'est plus forcément aujourd'hui. Exactement. Pas exactement à notre cas. Absolument. Voilà, j'encourage très fortement à consulter Isabelle, quelqu'un d'autre, mais en tout cas à consulter, c'est très important pour ne pas se planter, parce que c'est très dur de changer une fois qu'on est parti dans une voie, de rebifurquer et de retomber sur ses pattes. Non, et c'est vrai, c'est ce que tu dis. On entend tellement de choses en immigration et on entend toujours exactement ce que tu décris. Mais mon ami m'a dit que lui, il a obtenu ça en 3 mois, que si, que ça. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des cas compliqués, des choses difficilement récupérables par la suite. Donc, en effet, on est là pour ça, pour faire du merci conseil beaucoup. Personnalisé. Merci, merci. Et encore, merci à tous. Voilà, merci. Bye, merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Très intéressant. Au revoir. Merci Anne-Sophie. Au revoir.